Je vous présente la liste des lignes de vente, à savoir que toutes les listes fonctionnent de la même manière. Vous pouvez par exemple déplacer vos colonnes, vous pouvez choisir vos colonnes. Imaginons que vous voulez savoir la date à laquelle vous avez effectué vos ventes. Vous pouvez faire des tris croissants ou décroissants. Vous pouvez mettre en surbrillance, par exemple supérieur à 2. Toutes les cases en rouge signifient les ventes que vous avez effectuées. Vous pouvez faire la somme de tous les produits que vous avez vendus. Vous pourrez également éditer le texte.